C'est qui les ultra-riches? Supposons que tu as un triplex que tu as acheté il y a 10 ans, tu as une maison que tu as acheté il y a 15 ans, puis tu as un petit chalet 3 saisons que tu as acheté il y a 8 ans, puis tu penses prendre ta retraite puis avoir payé tout ça dans, exemple, 15 ans. Rendu là, si tout est payé, c'est toi l'ultra-riche, d'après Gabriel Nadeau-Dubois. Ça, c'est un ultra-riche. Même affaire comme quelqu'un qui a acheté deux duplex à 300 000 il y a 15 ans, quand il va les revendre, il n'y a plus d'hypothèque dessus, vaut en haut d'un million, ultra riche. Le voisin d'à côté, lui qui fait plus d'argent, mais qui s'en va dans le sud à chaque année, il achète un Winnebago, quatre roues, ski doux, blablabla, lui, il ne sera pas considéré un ultra riche. Fait que c'est à rien comprendre. Je pense pas que ça va arriver, là. Puis en plus, je pense que la taxe qu'ils vont mettre, ils ont dit, c'est à 0,1% pour un million d'actifs. Fait que c'est 1 000 $. Fait qu'ils vont engager des fonctionnaires pour faire rouler ça, pour aller chercher 1 000 $. Mais fonctionnaire deux semaines, c'est comme pas mal plus que 1 000 $. Fait que tout le reste de l'année, il va falloir qu'ils cherchent d'autres personnes pour aller chercher ça. Mais combien d'autres personnes au Québec qui se ramassent à la retraite avec 1 000 000 d'actifs nets, là? Combien? En tout cas, c'est ça leur mode de financement. Je parle pas de politique habituellement, mais là, quand ça touche l'immobilier, puis ces gens-là, les politiciens, ils disent des choses qui ont pas de sens, ben j'en parle, hein, parce que là, c'est juste ridicule. L'autre affaire qu'il a dit aussi, qui est un peu weird, une taxe sur les successions. Fait que, exemple, quelqu'un qui décède, il te laisse sa propriété ou un chalet, ben s'il n'y a pas d'hypothèque dessus, il va aller taxer ça à 35%. Fait que sur 200 000, 70 000. Il y a une couple de pays, je pense qu'ils ont dit ça tantôt, 20, 22, 24 pays sur 30 que de l'OCDE qui ont déjà une politique comme ça de taxation sur les successions. Ça va s'en venir éventuellement. Pas mal certain. Aussitôt qu'un politicien peut commencer à aller chercher de l'argent quelque part, c'est tout ça. Ils viennent le chercher, ils gênent pas. Là, fait que c'était ça, je voulais parler. Alright, see you later. Like la vidéo, c'était ça. Merci, bye.